Le duo de Marie qui fait son arrivée. On ne l'avait pas vu tout à l'heure en winner side. Et en loser side, il sera présent. Mio et Mio Tupu. AKA. Bien entendu. Metal. Seront en double Marie. Là, on n'aura pas le double D4 du côté Oxys et Lojo. Le duo qui restera sur le Solid Snake. Alors oui, le chargement est long. Ne vous posez pas de questions. Dès que... J'avais déjà constaté ça la dernière fois. Mio, dès qu'on est en 2v2, ou du moins à 4. Et bah, c'est très long à charger. Donc, bah, on fait avec. Et tant que c'est que ça qui bug, sauf que la dernière fois, enfin, Mio n'est pas là. Un problème du côté Mio, je crois que la game va pas pouvoir se lancer. Ouais, petit problème de manager du côté Mio. He's ok. Et ça fait du coup 1-0 déjà pour le Joe et Oxys. Poème de map. Bah, imagine la fat qui change en DK. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb s'il fait ça. Ça a changé. Ah, c'était SBF. C'est un problème de map. Et vous savez pourquoi ça marche pas? Parce que vous mettez tous random. Il y en a qu'un seul qui prend la map. Et ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Oh, pas de changement de perso du coup, on est bien. Cette loser semi qui va démarrer vraiment, hein. C'est pas un zéro, c'est une blague bien sûr. Avec le chargement qui dure toujours 15 ans, si vous kiffez voir les, des PNG, demandez à Mio de venir faire un 2v2, vous verrez les PNG du jeu. Vous pourrez les lire en détail, voir les poils sur les personnages. Et on est parti pour cette... Alors je venais de dire, ça lag pas. Ils ont l'air de jouer, hein. Ils ont l'air de jouer, hein. Est-ce que c'est que le spec mode? Des fois je dis ça, mais c'est jamais ça, hein. Et bien sûr que... Black Rain, mais... Parce que le joueur joue... Comme le mode spectateur est impacté, évidemment. Le même n'a pas vieilli. Pour ça, est-ce qu'elle met le lag? On va pouvoir prendre la game. Début de game un petit peu laggy, mais d'ailleurs optimisation. Allez, pour l'instant, en tout cas, Mio qui passe sa première stock, si c'est Mio, parce qu'on ne sait plus. Hein. Gros pourcent du côté Coco et Fatch. Fatch qui passe au premier stock, et Milo Joe, avec son snake. 5 stocks partout maintenant. Good whip. Et pour l'instant, mieux en tout cas. À la conquête. Le stop 3. Pour les Marie, ça fait plaisir de voir du tout Marie, hein, ouais, des deux côtés. Hein. Dépose un petit peu, on a un stock d'avance en plus pour les deux mais adjointes au maire. Oh, c'était que ça partira bas, ça quand même, ça partira très bas ça. Et Mio, il le sait, Mio, il l'a vu, il a dit non, tu feras pas ton petit C4, mon bonhomme. On va juste te mettre dans le mur, tu vas pas pouvoir tech et tu vas t'y installer tranquillement. Ça prend un bel avantage là du côté de l'équipe jaune. Attention quand même du côté Mio à ne pas perdre la stock trop rapidement. Mais c'est par contre ça va continuer de prendre des stocks et on n'est plus qu'à un stock chacun du côté de l'équipe rouge de stock dans ta main hein, pour l'ancienne équipe hein, duo DK. J'ai un tout petit peu trop maintenu par Mio malheureusement, c'est bien pour ça en vrai, il a mis entre deux et tout. Il y a moyen de faire une bonne situation pour Mio, il est un peu dans son gameplay 1v1 là. On connaît un petit peu mieux qu'on voyait en 1v1, le problème c'est que le jeu marche pas aussi bien qu'en 2v2 quoi.
Il y a quand même un V1, il marche pas aussi bien en 2v2. Même si on le voit dès qu'il a un 1v1 contre quelqu'un, il en sort très très bien, il fait des très bonnes phases d'optimisation comme il faut. Mais bah des fois. Oh, imagine un combo canne à pêche infini. Oh, ce serait incroyable. Ils sont restés au-dessus comme un pancake écrasé. Les deux. Il a chopé les deux. Les deux moustiques au-dessus de lui sont fait éclater directement. Et les deux maris sont envolés. Mais... Sur le chat, qui dit je suis mort. Par contre, la fin aussi insane. Il était soft lock, hein. Le DK était complètement soft lock. Je pensais qu'ils avaient fini. Je pensais qu'ils avaient fini un peu le truc. J'en peux plus quoi, j'en peux plus hein. On va avoir des clips assez incroyables pour ce 2v2 hein. On va avoir des clips assez incroyables. Allez, on va partir sur DK hein. Double dégâts contre double mari. Les singes contre les chiens. C'est le programme de cette loser semi, mesdames et messieurs, rappel BO5. Pour ce top 4, combat d'animaux, un petit peu, ouais. Autant dans le gameplay que dans le personnage, hein. Vous préférez les gorilles ou vous préférez les chiens sur le chat? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire YouTube aussi, hein. C'est plutôt gorille, plutôt chien. Quel animal préfères-tu avoir dans ta maison? N'hésite pas en commentaire à me dire. C'est un plaisir que je les lirai tous. Et je pense même à vous répondre si votre commentaire est pertinent. Plein de passion, plein d'amour. On verra. Nos amis les animaux. Allons-nous pouvoir partir? Le match va-t-il se lancer? Et c'est lancé. Ouais, deuxième game, cette loser semi, mesdames et messieurs. Chargement bien sûr hein, que vous connaissez hein. Vous connaissez les temps de chargement de la Switch de Mio, malheureusement qu'il est il n'est pas surtout une sur Wii U hein, niveau capacité. Non, ça prend un petit peu plus de temps mais pas de problème. C'est vrai que genre Mio a une désynchronisation avec ce chargement. Le jeu est désynchronisé, t'as pas la même RNG des deux côtés, t'as pas la même game qui se dessine. Ce serait vraiment incroyable. Bon, ça déconnectera automatiquement, mais bon. Allez, pour l'instant, en tous les cas, Mew passe sa première stock, malheureusement. On va just. Mew va jump au-dessus. Metal, pardon, va jump au-dessus de ça et. Il va partir à l'autre DK, c'est assez rigolo à voir comme phase. Soit side B, ouais, Mew qui a quand même eu son shield qui peut survivre. La canne à pêche un petit peu en retard malheureusement. Il aura ce tapa qui va quand même le sécuriser un petit peu, hein, j'ai envie de dire, la Mew. Mew il le joue énormément, hein, ce coup, hein, Don't Be à pas devant lui, canne à pêche derrière. On se sécurise avec, on peut pas vraiment être vraiment agressé, j'ai l'impression. On a un petit peu sécurisé des deux côtés, qu'au plus il va se faire directement grab. Pour l'instant, Metal va trouver la stock de son côté. Don Air qui va spiker directement, prendre deux stocks. En quelques secondes du côté des maris, les DK. Attention, on l'a pas, monsieur. On n'a pas respecté le gyroïde. Hein. Bon, en tout cas, le lag début de game qui revient, mais qui n'a pas été grand débat de discussion. Oh, très bon pari de la part d'Oxys là. Oh, ce qu'il a fait, c'était bien. Oh, j'ai bien aimé. Hein. Il partira dans le gogo, il part très très bas, il va essayer de l'amener avec lui malheureusement, Mew il va avoir assez peu de pourcent, même un stage pack ne suffira pas. Pour l'instant du côté de l'audio on va réussir à trouver un kill et on va toucher Coco qui va écarter directement pour empêcher que je continue. Mais il sera punir par Mew qui va réussir à le grab derrière. Je commente avec 5000 ans de latence, j'espère que vous kiffez bien sûr.
Oh non, Mio. Oh, c'est triste ce qu'il a voulu faire là. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fait vraiment un fer, mais le fer a été cancel par le DK. Et derrière. Asla ! On trouve la stock, alors que ça lag, bien sûr. Le 2v2 de l'amour, hein, le 2v2 de toujours. C'est marrant, derrière, les listes des combattants écrits. Du coup, on dirait qu'il y a un bug, c'est deux fois les mêmes persos. Ouais, parce qu'il va être trouvé par Mio, mais Mio, Mio. On oublie un point, c'est que le grab, en 2v2, c'est pas vraiment une méta. Alors que Fat, j'appuie sur upbeat depuis tout à l'heure, bien entendu. Hein. Les bonnes stratégies. Les bons bails qui sont là. Partir très très bas. On peut revenir ce coup-ci. On va lui mettre le faire un tout petit peu en retard. Ah bon. Non, il continue malgré le lag. Donc vraiment, je me demande s'il y a vraiment un lag chez eux, quoi. C'est chelou. Hein. C'est très bizarre. Mais c'est, je sais plus, c'est pas vraiment du lag, c'est de freeze. Enfin, c'est pas un freeze comme on a vu d'en voir, tu vois. Attention là, les maris qui perdent quand même des stocks tranquillement pour l'instant. Il reste plus qu'une seule stock à gros pourcent du coup des cocos, mais surtout de la rage. De la rage de vie, de la rage d'avoir envie. Et c'est fini. Mio qui est, on l'a vu hein. Petit coca, Mio, il a un petit coup de jab, on se dit vas-y, on refait. Ah c'est Metal. On refait l'on coince. Allez 2-0 en tout cas pour Metal et Mio. Par contre on a eu des freezes assez bizarres. Hein. Et c'était pas des espèces de freezes de online, on aurait vraiment des freezes. Genre du coup le jeu galérait. La Switch de Mio décède à l'heure actuelle, je ne sais pas. Alors, on a Auxis qui est parti. Croit-il que c'est un BO3? A-t-il oublié qu'il s'agissait d'un BO5? Je pense qu'ils ont oublié qu'il s'agissait d'un BO5, hein, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Télis qui est parti direct sur le Discord, ils vont dire c'est BO5, revenez les gars. C'est bon, les revoilà. Ça me bute, mesdames et messieurs. Bon, ils vont revenir tranquillement, ils vont s'installer. Est-ce que vraiment on est à ça? Est-ce que vraiment on est à ça? C'est chill, c'est le pote. On est entre potes, justement, on est posé. On est du tournu. Entre nous. On s'éclate, on joue à Smash Bros, on commente, on casse. Non, pas du tout. Je suis pas caster. Moi, je comprends même pas le jeu. Hein. Je ne comprends même pas le jeu. Là, ça peut être un clutch des fois. Je l'ai déjà raconté cette histoire, mais une fois, je joue à Street Fighter. J'entends un tournoi Street pour le fun. Je perds la première avec la BO3, je perds même 2-0. Après, seconde game, je perds 1-0. On se dit, c'est la fin. Sauf que moi, je débranche, je me barre, c'est bon, j'ai perdu. Et on me dit, mais c'est pas fini, reviens. Je fais, ah, c'est pas fini. Moi, je crois que c'était fini. Bon, à l'époque, j'étais un connard, donc je lui disais, putain, j'ai balancé la manette. Mais voilà. Et je fais excuse-moi, je reviens, je branche. Là, je gagne les deux games. 2-1, je fais 1, 2-1, un partout, je reviens. Et je gagne la game d'après 2-0. Sur un jeu que je maîtrise même pas, juste que je me suis barré. 3, 2, 1, j'étais désolé. Et content d'avoir gagné, bien sûr, en même temps. Très content d'avoir gagné. Victoire méritée avant tout. Allez, Billy est trouvé par Fatch, là c'est ce qu'il fait beaucoup directement. Pourquoi il m'angoisse à partir si bas dans les actions? Il part vraiment bas, mais des fois on sent que c'est un peu limite, la dash tag qui va être plus jeune que Yoko. On va pouvoir revenir maintenant. Pour l'instant, Metal hein, qui va un petit peu bloquer cet edge. Avec son... C'est le classique APA, hein. Le classique APA au niveau... Oh, oh. Allez, malheureusement, le jab qui suffira pas, on pourra pas le faire à l'infinisé.
Encore une fois, la PAC qui va être là pour l'instant du côté l'autre jour, on va maîtriser un petit peu mieux sur ce DR. Mais les pourcents un petit peu plus haut du côté des DK, la canne à pêche qui sera là sur le second. La PAC qui malheureusement ne suffira pas pour l'instant. On met des Hellstrom, je ne joue toujours pas. Hein. C'est bizarre qu'on envoie vers l'avant et pas vers le haut. Je pensais que ça aurait pu suffire potentiellement. Et malgré ces pourcentages de retard, et bah les DK c'est eux qui font les kills. Même s'ils m'ont trouvé les kills sur eux-mêmes, attention à ce B. Très bien SDI de la part de Mio. Et là, il se trouve dans le vide, cargo. Coco, il aura retiré des stocks. Hein. Il aurait été agressif. Son shit va faire mal. Et forcément, les DK auront retiré toutes les stocks. Et pourtant, il restera de stocks à chacun. Expliquez-moi pourquoi les DK tuent tout le monde. Les Marie, pour l'instant, on regarde le match. Zbouing. Et vous là, j'ai un moral side B pour Zroko qui met les dégâts hein, sur métal. Mais Coco a déjà pris aussi une deuxième perte de stock. Hein. Malheureusement, la deuxième stock pourrait être assez payante pour les Maris. Les Maris vont-elles pouvoir aller rejoindre la loser finale? La loser finale pour réaffronter les bourreaux. Les Jirugo et Shuling qui, contre qui ils ont perdu 2-0 en winner semi. Et malheureusement, un Fatch qui. A tanké autant qu'il pouvait, malheureusement il perdra la stock, au même moment Coco reviendra. On a 4 stocks du côté des Maris, ça paraît compliqué de revenir maintenant. Il va falloir un exploit de la part d'Oxys, beaucoup d'erreurs du moins de la part des Maris. Mais j'ai un autre qui vont essayer de tenter de quoi de block sur un edge si possible. Et on voit qu'ils veulent le jab, hein. Ils veulent le jab à tout prix. On tentera le donner du côté... Voilà, c'est fini. C'est fini pour le DK. On s'amuse bien. Bon, c'est un timing à avoir après, hein, c'est sûr. Hein. Cruauté animale, je suis d'accord, Italis. Il y a une certaine cruauté. Hein. Et le big prend la stock, on finit avec du côté mieux peut-être. Ah non, je pensais qu'il allait chercher un smash, mais bon, peut-être trop loin. Bah, le pauvre, regarde ce qu'il vient de faire, le pauvre, mon cher Italis. Il vient de prendre deux stocks à ses chiens. Il vient de prendre deux stocks et rien n'est fini du côté Coco. Est-ce qu'on aurait le miracle après le softlock? Là c'est le speedrunner tu vois. Speedrunner il est en mode ok je softlock, on reset. Ah non. Arrêtez de shield s'il vous plaît, je vous en supplie. Ah dommage, s'il vous plaît, du côté Mio. On voit qu'ils font un peu les gamins Mio mais attention hein. Mio et Metal là. Mais sur 12 t'as pas. Pour moi c'est qu'il y avait un appât dans le vide là. On a vu un Giroid sortir du vide ou j'ai rêvé? Très bizarre, en tout cas on va dans son être heureux. Et la victoire de Metal et Mio 3-0.